Good morgen, allez, Iden, le tutor aujourd'hui, le lundi, Shabbat, Moriv, Rabbi Shmuel, Ben Shlomo, Zalman, Nissim, Ben Ahuda, Sarabat, Rana, Rachel, Shlomo, Ben Esther, Shabbat, Rabbi, Ben Chami, ainsi que le Fouet, Avram, Mori, Ben Reout, Betor, Shachol, Israël. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions ma Sechet Zachim, Pericule Dalet, Mishnah Tet. Kol Akodashim, Sheikh Dishan, Bishat, Isur, Bamot. Veikrivan, Bishat, Isur, Bamot, Bachutz, Arei, Elu, Beasse. Velota, Asse. Vechavin, Alein, Karet. Yigdishan bishat heter abamot, veikrivan bishat yisur bamot, are elu be'ase velo ta'ase, ven chayvin alein karet. Yigdishan bishat yisur bamot, veikrivan bishat heter abamot, are elu be'ase ve'en bayem velo ta'ase. Mishnah très simple, on va expliquer, Bezrat Hashem, clairement. Regardez, on est en train de parler, depuis plusieurs Mishnahot, on a parlé, on a appris que l'interdit de yisur d'apporter un korban sur une bamat yachid, sur un hôtel particulier, personnel, qu'on a fait chez soi, dans sa cour. Alors, c'est un interdit qui a eu des hauts et des bas. Il y a eu des périodes de l'histoire où ça a été permis, des périodes où ça a été interdit. D'accord ? On a appris, quand ils sont construits le Mishkan, Gilgal, Shiloh, Nov Vegivon, Bet Amikdash, Bet Olamim. Ok ? On a plusieurs périodes, des fois c'est interdit, des fois c'est permis. Et désormais, bien sûr, ça n'est plus pour toujours maintenant, c'est resté interdit pour l'éternité, depuis que la Shrina, elle est arrivée, elle a résidé dans Yerushalayim. Kiloitosh Hashem Amo Venachalato Lo Yazov. C'était le passage qu'on avait appris du Tosot Yom Tov. Maintenant, ce qui nous intéresse dans notre Mishnah va être de savoir prendre un korban et le faire aujourd'hui, à l'extérieur de Yerushalayim, on transgresse une mitzvah tassé, une mitzvah lota tassé, et on est même chayav karet. On transgresse une mitzvah positive, une mitzvah négative, et aussi, il y a même un chiyuv karet. La Torah explicite un chiyuv karet, mais en tachem, on va ouvrir le pasuk ensuite pour découvrir ça. Ce qui nous intéresse maintenant de savoir, le but de nos Mishnah va être de parler. Qu'est-ce qui se passe? Puisqu'il y a eu des périodes où c'est permis, des périodes où c'est interdit. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on va faire... On va sanctifier un korban dans une période permise, et qu'après on va l'égorger sur un autel, sur une bamat yachid, alors que c'est devenu interdit. Et inversement, on a sanctifié le korban lorsqu'il y avait un interdit d'offert sur un autel personnel particulier, et puis après coup, le Mishkan Shiloh a été détruit, donc maintenant on a le droit de refaire. Est-ce qu'on a le droit de faire? Et si on fait, est-ce qu'on a le droit de faire dans sa cour ce korban? Et si on le fait et que c'est interdit, quel essor exactement on transgresse, d'accord? Donc, retenez bien, il y a une période, on va prendre par exemple la période charnière autour de Shiloh. Il y avait Shiloh a été annulé pour passer à Nov Givon. Ou encore, avant Shiloh, il y avait le Mizbeach, il était à Gilgal, et puis après il est venu à Shiloh. Donc il y a eu deux Gilgal à Shiloh, et deux Shiloh à Nov Givon. Ou en fait, il y a eu... D'accord, c'est les deux périodes charnières qui nous intéressent. À savoir maintenant, il y avait le Mizbeach, qui était pour le moment à Nové Givon, j'avais le droit de faire un korban chez moi. J'ai construit l'hôtel, je m'apprêtais à faire le lendemain le korban, et puis le lendemain, lorsque je me prépare à partir faire le korban, je reçois mon journal. Ah, on a construit le Mishkan à Shiloh. Donc maintenant, c'est devenu interdit. Je me dis, bon allez, ça y est, je suis là. Et je le fais. Quel interdit j'ai transgressé? Inversement aussi, quand c'était le contraire, il y avait le Mishkan à Shiloh, j'ai sanctifié mon korban. Je comptais le faire à Shiloh, et finalement, j'ouvre mon journal, je me dis, je vais partir aujourd'hui, j'ouvre le journal, je vois qu'il y a écrit que Shiloh a été détruit hier, en tout cas, on a le droit de faire les corbanotes chez soi, si je le fais chez moi à la maison, quel est l'interdit de transgresser? D'accord, c'est clair, c'est un sujet très simple. On va jouer avec une mise à tasser, une mise à tlotasser, et un chiyuv karet. Quand sont-ils en vigueur? Tout est déduit d'un même pasouk, d'un même principe. D'abord, je présente les cas de la Mishnah, après on ouvre la Mishnah. On ouvre le chômage, Bezrat Hashem, pour expliquer l'origine. Kol HaKod, d'abord, on pose l'axiome de base. Kol HaKod Hashim Sheik Dishan Bishat Isur Bamot. Vekrivan Bishat Isur Bamot. Bachutz, tous les korbanot que l'on a sanctifiés alors qu'il y avait un interdit des Isur Bamot. Un interdit de faire un korban dans un hôtel personnel. Comme aujourd'hui, on n'a pas le droit de faire un korban aujourd'hui. Donc quelqu'un, il a sanctifié un korban aujourd'hui. Et ensuite, Vekrivan Bishat Isur Bamot Bachutz. Et après, il l'a fait en korban, il l'a monté en offrande sur une bama, sur son hôtel personnel, et il ne l'a pas amené au Bet HaMikdash Bachutz à l'extérieur. Donc aujourd'hui, comme aujourd'hui. Arei Elu Be'ase. Velota Ase.
Celui qui fera ça sera transgressant une mitzvah assez, et une mitzvah lota assez, une mitzvah positive, une mitzvah négative, le chayavin alen karet, il sera même aussi passible d'un chiyuv karet. On ouvre maintenant le pasouk et on voit tout ça à l'intérieur du pasouk. On est dans Parashat Acharemot. Là-bas, il y a Acharemot, le Perek Yud Zayin. Au tout début, va y d'abord Hashem le Shalmor, d'abord Aaron vel Kol Ben Israël, va monter à Lehem. Zé d'abord Shasiv Hashem le Mor, Ish Ish mi Bet Israël, Asher Ishchat, Shor, Okesev, Oez, Bamachane, ou Asher Ishchat, Michus, la Machane, vel Petach, Oel Moed, Loe, Viou, la Kriv, Korban, la Shem, Nifne Mishkan Hashem, Dam, Yachashev, la Yeshaou, Dam, Shafach. Très rapidement, on a déjà traduit le verset, on va pas trop alourdir. Et là-bas, il y a écrit qu'un homme du Ham Israël qui prendra un korban, un taureau, un mouton, un bélier, une chèvre, et qu'il égorgera dans le machané. Ouais. Et qu'il ne l'apportera pas à la porte du Oel Moed, dans le sanctuaire, pour faire le korban là-bas. Il a écrit le korban Hashem pour faire un korban Hashem, devant le Mishkan Hashem. Donc il y a marqué que Dam Yachashev ala Ishaou, Dam Shafar, son crime sera passible comme s'il avait tué quelqu'un. Venichrat a Ishaou Mikerev Amo, il sera retranché de son peuple. C'est le Chiyuv Karet. Pourquoi ? Le pasou continue en me disant Leman Asher Yaviu Ben Israël et Zifrehem, Asherem Zovrim al Penasadeh, Vehevi Lashem, El Petachoel Moed. C'est le pasou que là, c'est là le Muzatase, le Muzatase. Afin que, car j'insiste, que je veux que les Bnei Israël apportent leur korbanot qui veulent le ganger, qu'il les apporte, ve'evium l'Hachem, qu'il les apporte devant Hachem. D'accord ? Donc, il les apporte devant Hachem. De là, on déduit la mitzvah assez de faire le korban, dans l'obligation de faire le korban. De faire le korban dans le Mishkan. D'accord ? Je cherche juste un truc qui m'échappe. C'est que j'ai pas trouvé ça, je l'ai passé, c'est que j'ai pas fait attention. Bref, je vais pas vous rallonger trop. Il y a à part ça, on déduit aussi l'interdit qui a marqué. Ah non, ça c'est plus ici, c'est dans Dvarim, Bémet. Je cherchais le lave, il n'est pas ici dans la paracha. Il se trouve dans paracha Dvarim, dans paracha de Kitetse. Là-bas, il y a marqué aussi un autre. Yishamer lecha pen taleo lotecha ou shlamecha. Fais attention, garde à toi, à ce que tu ne fasses pas tes korbanot chez toi. Donc de là, on déduit. Chaque fois que la Torah nous met en garde avec pen, ve'al, ve'yishamer. Alors, c'est bien exprimé qu'il y a un lave. Donc, en fait, on a déduit de là. Mizat assez, mizat lota assez et un chiyuv karet. Assez et karet, ça se trouve ici dans Vaikra. Le lota assez, le lave, la transgression de l'interdit de la misa négative, se trouve dans Parashat Kitetse. Il y a marqué là-bas, Ishamer lecha pentaler lotecha. Veille à ce que tu ne fasses pas tes korbanot chez toi. Ok ? Donc, ça, c'est pour l'axiome de base. On continue avec la suite maintenant. Qu'est-ce qui se passe dans les périodes charnières ? Igdishan bishat eterabamot. S'il a sanctifié son korban alors que les bamot étaient permises, en l'occurrence, par exemple, il y avait pour le moment le Mishkan qui était à Gilgal. Le Mishkan était à Gilgal. Donc il a sanctifié le korban, il avait le droit de le faire chez lui. Le lendemain à la maison, il avait prévu de le faire la semaine prochaine. Ses parents viennent en vacances chez lui, alors on va faire un petit korban familial. Et ce qui s'est passé, c'est que Veikrivan Mishat Isur Bamot. Et après, il a fait le korban alors que les bamot sont devenues interdites. Par exemple, donc comme je vous ai dit, jeudi après-midi a été construit finalement le Mishkan Shilo. Lui, il a su que après, bref, peu importe. Et après, la semaine d'après, il a quand même fait son korban chez lui à la maison. Donc là, il a sanctifié le korban quand c'était permis, mais ensuite, il a offert le korban alors que c'était devenu interdit. Quel interdit transgressera cette fois-ci ? Arel ou be'aseh velota aseh. Il transgressera la mitzvot aseh, la mitzvot lota aseh. Par contre, il ne sera pas passible d'un chiyuv karet. C'est-à-dire, il transgresse. Je t'ai dit de la porter. Ve'evium l'Hashem. Il nous dit le pasouk dans Acharemot. Ve'evium l'Hashem. Tu dois la porter devant Hashem. Tu l'as fait chez toi, tu transgresses l'interdit. Il y a aussi le lav. Ishamer lecha pentalo lotecha ou lotecha. Veille à ce que tu ne fasses pas des korbanot chez toi. Tu transgresses aussi cet interdit. Mais malgré tout, pour le chiyuv karet, qui a marqué Venichat Aishaou Mikrev Amo, là on n'est plus Chayav, parce qu'il y a marqué dans cette paracha, je ne sais pas où, il y a marqué, voilà ici, Chukat Olam Tiezot Lahem Les Dorotam. Tel est le décret qu'Hachem a prescrit pour leur génération à venir. On a une grande règle, quand la Torah me dit Chuka, c'est une manière de dire c'est comme ça. Donc comme ça, ça tombe comme une massue, c'est vrai quand c'est interdit, tel quel.
mais ça vient aussi alléger que ce qui est plus comme ça bidiouk, t'es plus khayav. Et de là donc, on déduit que le khiyouv karet n'est en vigueur que lorsque tu es en situation comme dans le désert, c'est-à-dire que tu as le mishkan pour apporter, tu préfères le faire chez toi, depuis le moment où tu sanctifies et depuis le moment où ensuite où tu offres le korban. Si tu n'as plus ces conditions du début jusqu'à la fin avec le mishkan, eh ben tu ne seras plus khayav karet. Il y aura l'interdit, la misatase, l'otase, mais plus le karet. D'accord ? Dernier cas de figure de la Mishnah maintenant. Il a fait le contraire cette fois-ci, on est lorsque le Mishkan Shelo a été détruit. D'accord ? Donc il y avait l'interdit de Bamot, et puis il a sanctifié le Korban, il prévoyait de la porter à Shelo, et ce qui s'est passé, c'est que le Mishkan Shelo a été détruit. Donc dans ce cas-là, il a le droit de faire chez lui à la maison. Et donc c'est ce qu'il a fait. Il a fait chez lui à la maison. Alors là, logiquement, en théorie, ça devrait être permis. Et on va voir qu'il y a quand même un petit interdit qui reste. Arelu be'ase ven ba'em lota ase. Il y aura quand même une mitzvat ase, il transgressera la mitzvat ase de Vevium Lachem. On va expliquer pourquoi, et c'est très délicat et compliqué à comprendre. Il y a qui a marqué quelque chose dans le Bartanora, le Rachash discute et propose autre chose. On va expliquer pourquoi il y a une mitzvat ase malgré tout. Mais quoi qu'il arrive, il n'y a plus le lave. Je ne peux plus te dire, la Torah ne te dit plus, veille à ce que tu ne le fasses pas chez toi, mais parce que je veux que tu l'amènes au Beit HaMikdash ou au Mishkan. Il n'y a plus de Mishkan, qu'est-ce que tu veux de moi? Il n'y a plus, bien sûr, de karet, bien évidemment. Parce que quoi? Qu'est-ce que je peux faire? Mais malgré tout, il reste une mitzvah tassée. Alors la mitzvah tassée qui reste, elle est délicate, compliquée à comprendre. Le Bartanura rapporte, lui, comme explication, qui reste, on parle en fait d'un cas un peu particulier. C'est que cette personne a traîné pour apporter son korban. Soit il a sanctifié lundi, il aurait pu le venir l'apporter tout de suite depuis le mardi, mercredi au Beit HaMikdash, ou au Mishkan plutôt. Il a traîné jusqu'à la semaine d'après, mercredi après-midi, le Mishkan il est détruit. Alors là on va lui dire, ah, tu l'as pas, et après il se dit, bon il a été détruit, je le fais quand même chez moi. Eh ben, il transgressa quand même une mitzvah tassée, parce que c'est à cause de lui, si c'était dépêché de le faire en temps et en heure, il aurait pas, si c'était hâté de le faire, il n'aurait pas transgressé cet interdit. C'est l'explication proposée par le Bartanura. Le Rachash charge et tire, et il conclut que non, le problème, c'est pas ça. Parce qu'il va se dire, quoi, qu'est-ce que j'ai fait si j'ai sanctifié le jour, j'avais pas le temps de me retourner, que le Mishkan, il a été détruit. Alors, il n'y aura plus d'interdit. C'est pas un chemin comme ça dans la Mishnah, on dirait qu'il y a un interdit constant. De ce fait, le Rachash, il propose une autre explication, que c'est un problème de Nedarim. Étant donné que lorsqu'il a sanctifié, il y avait encore le Mishkan qui était debout, alors c'est comme si qu'il avait fait un Neder, qu'il allait apporter le Korban tip-top. Parfait. La porter sur la Bama Tzibour, au lieu public, pour faire la Korbanot, qui est beaucoup plus honorable, en fait. D'accord ? Donc dans ce cas-là, le Neder que tu as fait, c'était de faire un Korban, grande classe. Après, le Mishkan, il a été détruit, tu vas quand même le faire chez toi, tu transgresses en cela un interdit de Nedarim. C'est comme ça qu'il propose le Rachash. Pour nous, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.